Bienvenue. Aujourd'hui est jeudi en santé. Comme nous tous connaissons déjà, jeudi a son jour spécial, très important. La question de la santé. Encore moi, Wenny Erlène, infirmière qui est toujours prêt et disponible pour préparer une thématique toujours sur la santé. Donc, pas hésiter, toujours encourager le programme En Parler Santé avec un j'aime, avec un like. Programme En Parler Santé à là pour informer nous sur tout ça qui a un rapport avec la santé. Je dis à sujet à sensible et spécial, il concerne toute population en général. C'est le stress, les différents types de stress. Restez connectés pour le développement de ce sujet. À tout de suite. Et voilà, je suis encore de retour. Pour le développement du sujet, c'est quoi le stress? Comment ça se présente? Les différents types de stress? Est-ce que c'est stress aigu ou le stress chronique? Donc c'est ça, le très important pour nous différencier, pour éviter les confusions, pour nous connaître comment stress là est sur nous. Tout d'abord, le stress c'est quoi? Stress ça c'est une maladie comme toute maladie. Et que gen bon stress gen mauvais stress ça important et gen stress là ka négatif li capable positif. Le stress est donc une réaction réflexe de notre organisme devant les événements. Li capable un stress aigu ou un stress chronique. Ça qui plus important dans cas de stress là, c'est Jean li pral présenter côté stress là sorti. Qui effet li fè nan organe surtout qui plus important parce que stress ça li agit premièrement sur cerveau, il agit sur cœur et il agit sur organe sexuel yo par deux glandes qui c'est cortisol et puis adrénaline. Ces deux glandes ça yo qui c'est glandes de stress là, c'est cortisol et adrénaline. Donc le cortisol la réagit, il réagit sur hormone sexuel yo et surtout il réagit dans hypothalamus et hypophyse qui c'est une partie dans cerveau. Nous gain hypothalamus et hypophyse connecté sous lui. Le cortisol la déclenché sous hypothalamus, il capable faire un stress menstruel côté que il ca déclenché règle dans l'immédiat ou du moins si ca cause bon retard de règle. Li ka varier cycle menstruel là bon règle irrégulier 2 à 3 mois. Dans cas de adrénaline là, li pral faire effet dans ordre physique, li ka augmenter fréquence cardiaque là, cœur a battre plus fort et li augmenter fréquence respiratoire là et aussi li rend que bon tension artérielle qui plus élevée. Adrénaline nan c'est ça li fait li augmenter nan stress chronique là, surtout l'op prend cortisol là qui c'est hormone stress là, li même li capable déclencher hormone sexuel yo plus hormone qui capable rend corps en santé. Le stress là li provoquer li capable rend que organe yo mal fonctionner. Si j'en m'explique la stress là li capable aigu ou du moins chronique. Nan cas de stress aigu, stress ça par définition est capable un pic de stress intense à un moment donné. Ça veut dire que ou capable stresser face avec agent de stress ça, mais immédiatement ou résout problème nan dans cas de stress. Par exemple, yon moun ki pral passe yon interview, ki pral pran la parole dans son salle, son coup de stress et stress ça nan cas ça son stress qui yon bon stress parce que li fait adrénaline nan déclencher li sécréter juste pour augmenter énergie que au besoin. Donc capable di non pas supposé peur mais ça me va le faire, me ka faire, me ka confronter problème nan. Nan cas ça c'est un bon stress lié, mais stress ça c'est un pic de stress, un coup de stress. Du moment que ou résout problème nan, stress là lui-même li éliminé. C'est pour une courte durée, pour un petit moment stress aigu. Alors que dans stress chronique là, son stress qui là quotidiennement ou à vivre de stress là, c'est stress chronique là qui plus dangereux parce que adrénaline là vient cause
cœur a une difficulté fait le pomper plus rapide, fréquence cardiaque a augmenté, pression artérielle a augmenté, fréquence respiratoire là, les causes li augmenté dans stress chronique là, mais là très difficile pour jeune dans stress aigu a. Donc ou capable à vivre avec stress chronique là et aussi stress aigu là. Surtout dans situation que nous y en Haïti que nous mêmes nous à vivre avec stress chronique que nous vivons. Pendant ce temps ou ka gen un coup de stress ou pral passer une interview ou du moins soit pral prendre la parole ou gen un pic de stress qui pral en courte durée après période temps ça stress ça éliminé mais ou toujours à vivre avec stress chronique dans ces cas ça ou capable à vivre à tous les deux stress à la fois. Définition stress ça c'est agent stressant qui provoque état adaptation sous organisme. Il peut être d'ordre physique, émotionnel, mental ou social. Les différents types de stress que le plus souvent la population capable de sentir que yo stressé mais yo mélange stress yo, yo pas ka identifier si son bon stress ou du moins si c'est yo mauvais stress. C'est mauvais stress ça qui c'est un danger pour santé a. Bon stress ça c'est normal ou supposé à vivre avec pour capable réagir, pour capable confronter ça qu'on voulait faire. Faut que bon moment stressant pour dire oui que moi capable, moi arriver atteindre objectif moins même si me peur, mais peur ça c'est lui même cap cause que adrénaline dans sécréter glande surrénale pour augmenter que énergie au supposé gain. Dans différents types de stress, nous gain stress physique, stress mental, stress comportemental et stress émotionnel. Stress physique là, il s'agit souvent de la forme de stress la plus évidente, comme si son stress que capable plus à l'aise pour diagnostiquer propre tête ou face à stress physique là, parce que il peut se présenter sous forme de maux de tête ou d'autres douleurs, une augmentation de rythme cardiaque. Donc le stress physique là, nous capable remarquer par signe qui paraît sous corps nous, comment que nous elle well présenter par céphalée ou du moins des douleurs musculaires et j'aime dire la maux de tête, signe courant que nous capable ressentir tension artérielle là qui capable augmenter et nous capable sentir fréquence respiratoire lui augmenter, ça va permettre nous connaître que son stress physique que n'a confronté. Dans stress mental là, c'est ça que nous capable dire adolescent yo, adolescente yo, jeune yo a confronté dans moment ça parce que à cause ça que y a tendé, ça que y a voyé devant yeux, peur que yo gagné si yo déplacé, est-ce que y a rentré la caillou, est-ce que pendant yo dans salle de classe bribal que y a tendé, émotion que parents yo a porté, genre que parents a vive situation si que y a parlé de ça qui a passé à devant jeune yo, surtout si moun ki pa gon capacité pour réfléchir. Donc c'est dans cas de stress mental là que oui, le stress mental se présente souvent sous la forme de problèmes de mémoire, de difficultés de concentrer ou d'anxiété. Les troubles mémoire est capable faire une phase dépression, anxiété et puis confusion ou pas en forme pour concentrer, pour étudier, pour préparer, rien du tout parce que ou juste sans ou pas une concentration pour faire genre des choses ça ou plus gon peur ou à penser ça qu'a venir qui problème qui a venir est-ce que m'pas victime, c'est ça ou des difficultés pour concentrer, c'est comme ça les présenter. Donc dans stress comportemental là il est très facile pour diagnostiquer parce que c'est comportement qui change. Ou capable diagnostiquer type de stress ça par ou mais parce que li manifeste par un changement de habitude courante. Jean te konn viv la,
c'est ça qu'elle vient changer. Par exemple, un patient qui vit avec un stress comportemental, comportement changé ou capable remarquer ça, habitude ça te gagne, façon qu'elle te con a dormi, il changer l'œil et il mange souvent par exemple, manger plus que d'habitude. Donc on a parlé des fois avec un monde qui dit que me stresser toute journée que me sens m'a mangé, c'est stress qui fait me grossir. Ça c'est un stress comportemental. Il vient un changement d'habitude qui fait de temps en temps la manger sans contrôle et le plus souvent après un patient qui a des problèmes stress comportemental là le plus souvent il doit prendre cigarette, il a une sorte de trouble d'addiction, il consomme en pile drogue et puis il fume, il est capable de temps en temps la manger et puis et que il a une insomnie, d'être en sommeil chronique, il est pas normal pour vivre avec un stress comportemental parce que le pral agit surtout dans le cas d'anémie sévère. Toutefois, ou pas de sommeil et que ou vin anémie, ou gen un autre problème qui a augmenté. En part de ça, nous gen stress émotionnel, il s'agit d'une autre forme difficile à diagnostiquer. Parce que lorsque le corps éprouve un stress émotionnel, il a tendance de se préparer à combattre. Son monde qui comme si immédiatement, li émotionné par ça qui fait peur là, li ka prêt pour le battre, li ka prêt pour le fuir, li ka prêt pour le suicider tout, li prêt pour tout. Et dans l'immédiat, ou pas même qu'à diagnostiquer parce que c'est un fait qui vient brusquement sous patient ça, li capable sournoise tout. Sournoise là, c'est que patient ça li pas envie expliquer, li pas dire rien de ça que la vive là. Et puis il est prêt pour le confronter, pour le cas défendre. Il est très émotionnel comme ça, tout capable victime, tout comme ça, tout capable de faire action sur le monde qui est proche. Il est accompagné avec agitation, irritation ou morosité. Après de ça, nous avons un stress post-traumatisme qui sont l'autre stress qui est très fréquent parce que c'est une sorte de stress qui est capable de provoquer hypertension, diabète, d'autres maladies. Parce que son stress que nous vivons dans une période que il y a un événement qui passe en présence, ou du moins c'est lui-même qui est victime pendant l'événement, ou du moins c'était témoin dans l'événement. Genre de stress a traumatisé la personne en question. Il y a une cause qui est capable de durer de 1 an de période de stress. Et ça qui prend la cause durer ça, c'est parce que nous avons amygdala, c'est en partie dans la mémoire liée. Donc amygdala, il capte tout mauvais souvenir, toute action qui passe, qui drôle, il capte. Et tout autant, il capte mauvais souvenir, il réduit ses voix en erreur, il fait ses voix, réduit ses voix mal fonctionner. Donc c'est lui-même qui capte tout souvenir ça yo. Parfois si ou rive dans période événement ça ou capable stresser, li capable faire une réaction psychologique et le plus souvent li capte souvenir ça yo pour capable choquer à chaque moment que ou senti effet événement côté il t'est passé à l'a passé là il capable ou penser à ça qui t'est passé à c'est amygdala qui c'est cette mémoire là qui cause que ou vive ça. Hypophyse, là, c'est glande endocrine qui est située à la base du crâne, du hypothalamus. Donc son glande, il fait partie de ses voies et c'est lui-même qui est responsable régulation, règle dans le cas de cycle menstruel là. Donc il est très important. Donc hypothalamus, là, partie du cerveau, là, il est situé sous thalamus, là, qui joue un rôle capital dans la régulation des fonctions vitales, sommeil, activité sexuelle. C'est pour cela, si cerveau en contrariété, l'a rétréci, l'a mal fonctionné, et ou même en tant que homme ou femme, ou qu'a un problème sexuel parce que cerveau c'est lui-même qui est responsable fonctionnement glande sexuelle. Tout corps en général a un rapport avec cerveau. Nous avons l'adrénaline qui est hormone c'est qui sécrétée par glande surrénale qui accélère le rythme cardiaque.
qui augmente la pression artérielle. Donc si toutefois stressé, hormone stress ça c'est adrénaline. Donc immédiatement les sécréter l'a augmenté rythme cardiaque là et l'a augmenté pression artérielle là, il est capable dilater bronchio. Et voilà, les effets secondaires du stress ralentit activité cervelle altérée, les causes les ralentit et surtout effet les fait sur mémoire là, les fait effet sur cœur, les fait effet sur tout organisme parce que les rend organisme pas bon adaptation qui normal surtout dans stress chronique là et par exemple que stress ça il y a en phase d'alarme, deuxième phase là c'est phase adaptation et troisième phase là c'est phase épuisement. Première phase à côté que le niveau alarme là, il faut réagir face à stress ça pour capable que temps repérer à temps jeune une solution pour pas avoir conséquences néfastes sur santé là. Deuxième phase là, il demande pour adapter pour capable joindre une solution et troisième phase là, on entre dans phase épuisement et que là il arrive dans phase qui sont dangereux pour santé là et là il capable cause ou arrive dans phase hypertension artérielle, diabète, insuffisance rénale, il est capable de causer plusieurs autres maladies, il est capable d'accompagner surtout dans le cas de infection, le plus souvent là on a parlé de anovulation, anéjaculation, dans cause nous joindre stress ça dans IST, dans MST, dans infection surtout l'allergie sous flore vaginale là, il réduit flore vaginale là, il cause vagin exposé avec infection ou du moins ces bactéries qui pas bon qui capable envahir vagin, li réduit pH vagin. Donc stress ça li très dangereux pour santé. Donc des préventions que nous capable faire face à stress ça, exercice physique là li très très bon, nous capable détendre nous, c'est rire son bagaille qui très bon. Même très stressé là, de supposer commencer rire depuis au commencement parce que chaque fois rire son paquet de cellules qui cancéreuses que ou réduit ou éliminer dans corps faire lecture et gon l'autre manœuvre qui capable aider nous face à stress ça c'est respiration par exemple 5 secondes respiration et inspiration par le nez yon l'autre technique qui capable aider nous au niveau du stress comment que nous capable bien confortable dans position assise et puis ou mettez deux mains ou kage ou respirer ou inspirer pendant 5 secondes li vraiment capable aider corps ou capable vivre pour être en santé si gon alimentation déséquilibrée li capable cause que stress a augmenté li capable affaiblir système immunitaire là donc stress a bon insomnie à ce moment-là li cause que système là affaibli c'est un monde qui a vive avec ou plus exposé ou exposé à tout agent pathogène ou exposé avec maladie infection n'importe un virus qui apparaît ou plus exposé avec parce que système affaibli qui se défense corps nous capable remarquer comment stress ça dangereux pour tout système là pour santé en général. Nous sommes dit ça, nous sommes expliqué à mon victime, on dit que lui dit des fois stressé, me dit ça, fait lecture ou chercher loisir ou chercher des activités surtout physique là, fait exercice physique là avec engouement, dévouement là capable aider et surtout équilibrer aliments, éviter manger même aliment chaque jour, prend fruits, légumes, gon auditeur qui se dit que la perte de cheveux, stress ka cause ou bien chute, prend vitamine B12, prend zinc, manganèse, potassium, magnésium, fruits, légumes, protéines pour rendre corps sain et rester en bonne santé. Comment parents ou aider ti moun face avec stress mental là, c'est éviter des mots blessants devant eux et de préférer agir avec dialogue, ba ou l'amour, tendresse, affection, parler ensemble avec eux parce que surtout dans cas d'adolescent, stress ça agir sous menstruation yo, et li ka cause gon règles irrégulières
là il va entrer dans stress menstruation hein, parce que immédiatement cortisol là déclenché qui c'est hormone stress là il va agir sur hormone qui fait régulation règle là qui dans cerveau. Donc faut que nous faisons attention avec ça. Ba ou l'amour de préférence, pas négliger ba ou vraie vérité à dire ça qui a passé à mais éviter prendre des décisions devant eux, éviter parler de crise politique de problèmes devant eux qui ca faire plus des difficultés pour concentrer surtout avec stress mental là et qu'on ça n'a capable aider eux. Avancer avec étudio toujours accompagner toujours faire des blagues ensemble avec eux pour surmonter problème qui a enduré nous même nous besoin ça tout pour nous capable voir si on membre dans famille nous pas vivre avec un stress comportemental c'est des dialogues suivre et façon que mon entier est-ce qu'il est toujours comme ça est-ce qu'il pas changer humeur. Est-ce que il a vivre avec une dépression ou une anxiété? Est-ce que santé anormale? C'est ça parce que stress là, il y a plusieurs types, mais stress physique, stress mental, stress comportemental, stress émotionnel et stress post-traumatisme. Chaque monde qui a vivre avec stress, mais la vie ont différents types de stress. Cherchez quand qui stress que vous vivez ensemble avec et comme ça vous ca faire en sorte que pour réagir face avec stress ou vivre avec là pendant ce temps protéger tête ou protéger santé et comme ça vous ca vivre bien et être en bonne santé. Donc c'est encore moi Winnie Arlene, on va dire infirmière gynécologie parce que je toujours prends sujet qui a rapport avec gynécologie. Qui a un rapport avec appareil génital de femme. Donc c'est ça moi même plus à l'aise avec elle, suis toujours prêt pour m'aider mesdames mais toute pathologie importante tout diabète et herpès et syphilis, laryngite ou bien hypertension artérielle, toute pathologie importante et son l'amour pour me traiter sujet pour m'aider nous vivre bien et rester en bonne santé. Pas négliger toujours aller sur YouTube, Facebook, Instagram pour nous commenter et partager vidéo yo quittez un commentaire like abonné et comme ça n'a pas d'aime sauver plus vie et émission en parler santé à vivre plus loin sans nous émission en parler santé pas possible 115 et Wesner Jean-François en parler santé pas possible 35 38 38 42. Donc numéro là, nous ca toujours encourager émission arriver plus loin par mon cash, n'importe gens nous ca aider petit coup gros supporter émission parler santé pour émission arriver plus loin avec ça tout n'a pas encourager nous. C'est comme ça n'a ca aider ensemble avec émission parler santé. Nous ca reler tout pour nous joindre information sur la santé. Moi t'es content avec nous pour nous toujours porter un autre sujet pour nous à jeudi pour une autre thématique qui assez intéressant, plus intéressant comme aujourd'hui. À bientôt.